Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo à Bioboxing. Alors aujourd'hui, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la Beautiful Box de janvier. Franchement, non mais regardez la boîte comme elle est trop belle. Donc le décor, la luminosité, c'est pas ça, on est d'accord, hein, même ma tronche, hein. Mais bon, l'essentiel c'est ce qu'il y a dans la box. Je viens de la recevoir et comme je ne suis pas patiente et que je ne pourrais pas attendre demain, et que de toute façon demain à Lyon il fait un temps de merde, donc la luminosité ce sera la même, j'ai envie de te dire. Donc on va ouvrir tout ça ensemble et c'était ça que je voulais dire. Hein. Oui, la luminosité, c'est ça. Donc, comme tous les mois, nous avons le petit fascicule avec la petite dame aux dents blanches et aux cheveux wavy. Donc, alors 2017, 2 tonnes de bonnes nouvelles, zéro souci, une beautiful santé. Ouais, c'est clair. Et 7 fois plus de rire. On est d'accord, hein? Je vous souhaite tout ça à tous. Il y a un truc qui est super lourd et je viens de le choper et c'est. Ouh! Un gel douche Festin Royal de la marque Baija au miel caramélisé. Même avec le rhume, c'est un truc de fou. Ça sent tellement bon. Alors la marque Baija, j'en avais déjà entendu parler et j'adore. Sans PEG, élaboré tel un savon de Marseille. Ce gel douche ultra onctueux se distingue par sa composition d'huile 100% végétale de coco. Ne contient ni graisse animale, ni tensioactif synthétique, ni EDTA, ni PEG. Franchement, trop cool. Pour tout ce qui est des modalités, des prix, de la box et tout, je vous laisse tout en barre d'infos. Donc comme d'habitude, on a les petites cartes. Donc pour pas me spoiler, je regarderai après, mais on y reviendra et on regardera les compositions, les prix et tout. Alors, un produit make-up qui est de la marque Ellysense. Et c'est liner signature eye et kohl. Alors vous voyez, ça fait un petit embout comme ça et là un petit truc comme ça. Donc là, on dirait une espèce de gomme. Ça doit être pour estomper peut-être. Combo contour des yeux et kohl longue tenue. Et là ça s'ouvre. Voilà. Et vous avez un petit un truc noir en fait, un crayon noir. Hop. Hyper pigmenté. Grave. Donc, je suppose qu'on fait ça et après, avec la petite gomme. Voilà, avec la petite gomme, on floute le truc. On floute le trait. Super cool. J'avais jamais vu avec les petites gommes au bout là. C'est une bonne idée. Crème des mains au lait d'anès bio et à l'extrait de grenade. J'ai un savon au lait d'anès qui est super super efficace. Moi en ce moment mes mains, j'ai envie de vous dire que, enfin là vous voyez pas et heureusement c'est une catastrophe. J'y vais à la bépantène, hein, carrément. Elle est bien onctueuse mais elle est pas grasse. Tu vois, tu mets pas 4 plombes à la faire pénétrer dans les mains. Alors, heureusement que je l'ai pas ouverte demain la box parce que franchement demain je ne sens plus rien, c'est sûr. La grenade elle est après mais on sent le lait d'anès. Cool, trop bien, une crème pour les mains. Et je crois le dernier produit. Sans alcool, sans graisse animale, c'est bio au pamplemousse, visage, eau de fruits. Le pamplemousse est reconnu pour ses propriétés antioxydantes et régénérantes. L'eau de fruits au pamplemousse apporte ses vertus purifiantes et dynamisantes tout au long de la journée. Versez quelques gouttes d'eau de fruits de pamplemousse sur un coton, appliquez sur le visage et le cou le matin et évitez le contour des yeux. C'est un espèce de tonique, on dirait. Ça sent le pamplemousse, mais je vous dis, franchement, là, mon odorat est plus qu'altéré. Et mon fils vient de me dire qu'il y avait un autre produit dans la box. J'ai le mascara, merci, de cette marque que je porte aujourd'hui. Bon, il est un peu débordé parce que, hein, vous m'excuserez, mais bon, je dors 45 minutes par nuit. Donc, hein. Mais voilà. Voilà les cils qu'il fait. Et là, donc, gel anti-imperfection. Alors, ah oui, on tourne. Donc là, il y a un gel qui sort. Vous voyez? Qui sent très très fortement l'alcool. Franchement, après ça, on est pour, on est contre. Mais moi, je suis pour à 100%. C'est hyper efficace. Hein. Les trucs comme ça te dégomme le bouton. Tous les trucs à base d'alcool, quoi. Alors, on va passer aux petites cartes récapitulatives. Oui. Donc, gel douche Festin Royal, miel caramélisé. Donc, il coûte 11,90 € donc les 250 millilitres.
Le fameux gel de la marque Lady Green qui est cruelty free, qui est vegan, coûte 12,95 €. Appliquez quelques gouttes de gel directement sur les imperfections à traiter, laissez sécher 5 minutes et nettoyez l'embout après chaque utilisation. Ouais, bien sûr, faut nettoyer l'embout. Il est composé de zinc, d'alcool de lavande qui assèche l'imperfection, d'aloe vera, de nîmes et de bardane, qui traite les imperfections et apaise la peau. Donc ça sent l'alcool, mais vous voyez que dans la composition, c'est quand même hyper clean. Et ça va pas te décaper la peau. Donc franchement, super cool. Après, si vous pouvez pas vous procurer ça, de l'huile essentielle de tea tree, ça marche super bien sur les imperfections. Ensuite, on a ce crayon Kohl là qui coûte 18 € pour une tenue de 10 heures et plus. Extrêmement résistant à l'eau. Et sans transfert. Il est une composition donc sans conservateur et sans parabène. Cire de toxicondendron qui fixe le maquillage, l'aloe vera qui contribue au renouvellement cellulaire et à l'huile de jojoba pour hydrater, protéger et nourrir la peau. Pourquoi il n'y a plus de lumière là? Le duo beauté nature au pamplemousse. Donc il coûte 35 €. 35 € là, les 50 millilitres. Waouh! Appliquer sur le visage à l'aide d'un coton après le démaquillage pour rafraîchir et tonifier la peau. Éviter le contour des yeux pour tonifier votre peau et un éclat sans pareil. Ouais, c'est un tonique, c'est cool. Oh, c'est de l'extrait de pamplemousse reconnu pour ses propriétés purifiantes, dynamisantes et antioxydantes. De l'eau d'aloe vera aux vertus régénératrices et protectrices. Et le dernier produit qui est la crème pour les mains de la marque Donkey Co. Qui est certifié éco-cert, qui coûte 12 €, qui est composé de beurre de karité et d'extrait de grenade aux propriétés hydratantes et antioxydantes, de yogourtène, yogourt, et de yaourt ça? Bah ouais. Yogourtène qui nourrit en profondeur et apporte de la souplesse à l'épiderme, et du lait d'anès aux vertus antirides et hydratantes qui permettent de lutter contre les signes du temps. Le lait d'anès c'est super bien aussi. Super cool. Donc voilà, et le packaging est vraiment, vraiment très sympa, je trouve. Voilà, j'espère que cette box vous a plu. Moi, encore une fois, bon ben voilà, hein, franchement, c'est des box que j'ai vraiment au fond de mon cœur. Je les ai découvertes l'année dernière et sérieusement, c'est... Merci, vous êtes juste, mais perfecto, quoi. Perfecto. Encore une fois, c'est voilà, c'est varié. On découvre plein de nouveaux produits. Vous avez vu, j'en ai ouvert pas mal déjà des box, de la Beautiful Box. Et franchement, voilà, c'est la première fois qu'on a ça. Moi, je trouve que cette box, elle est hyper complète. Super géniale. Je vous aime, Beautiful Box. Voilà. Si toutefois vous avez été convaincu que vous voulez en savoir plus, je vous laisse tout en barre d'infos pour en savoir plus. J'ai envie de te dire, la corrélation est tout à fait logique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des fois, j'ai l'impression de faire la fin du journal de 20 h, tu vois. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations. Au revoir.